bien garder dans ce coffre réfrigéré ce qui sera peut-être le premier vaccin contre le paludisme. Son nom, le RTSS, c'est le plus avancé des candidats vaccins. Après des années de recherche et d'essais cliniques, une nouvelle étape a été franchie. Le groupe pharmaceutique qui le développe va solliciter le feu vert de l'Agence européenne du médicament, le prélude à sa mise sur le marché. Pour sa demande, GlaxoSmithKline se base sur ses dernières études et une efficacité jugée prometteuse. Ce que nous avons vu, c'est que le vaccin réduit de moitié environ le risque de paludisme pour les enfants de 17 mois à 5 ans et d'un quart environ pour les nourrissons de 6 à 12 semaines. Nous avons suivi 15 000 enfants à travers 11 sites dans 7 pays d'Afrique. Un vaccin sur le marché d'ici 2015, les experts se montrent intéressés mais prudents. Beaucoup soulignent que le RTSS n'est efficace qu'à 50% et que la protection qu'il offre diminue au bout de 2 ans. Des études à l'arrivée du vaccin sur le terrain, les obstacles sont encore nombreux. Il y a des défis autour de la couverture vaccinale dans les régions pauvres du monde, surtout quand il y a plusieurs doses de vaccins à administrer. Il y a aussi des questions autour du financement. Qui va financer ces campagnes? Plusieurs candidats vaccins sont à l'étude dans le monde, mais pour l'heure, rien qui ne puisse remplacer les mesures de prévention, notamment l'usage de moustiquaires imprégnés.